Europe 1. Et donc tout d'abord cette attaque au couteau qui a eu lieu ce matin vers 8h, gare de Lyon à Paris. Un marteau a également été saisi. Le bilan toujours provisoire fait état de 3 blessés, dont un grave. Un homme a été interpellé, on ne connaît pas encore ses motivations. L'enquête commence. Des faits qui surviennent quelques jours seulement après la levée de l'alerte urgence attentat du plan Vigipirate. Bonjour Antoine Biavaud. Bonjour les Naïcs, bonjour à tous. Vous êtes sur place, gare de Lyon pour Europe 1 depuis ce matin. Le périmètre est toujours bouclé et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a livré déjà quelques éléments tout en restant très prudent. Tout à fait, le préfet de police de Paris qui s'est exprimé il y a un petit peu plus d'une heure ici devant le hall 3 de la gare de Lyon où a eu lieu cette agression. Alors la principale annonce à retenir, c'est que la motivation terroriste est pour l'heure écartée par les enquêteurs. Europe 1 est en mesure de confirmer que le suspect n'a prononcé aucun propos à caractère terroriste, ni lors de son passage à l'acte, ni pendant son arrestation. Laurent Nunez a par ailleurs apporté des précisions sur le profil de cet assaillant d'origine malienne. L'individu, il a des titres de séjour italien, hein, donc c'est quelqu'un qui est en situation régulière en Italie. Cet individu, manifestement, hein, souffre de troubles psychiatriques au moment où on se parle. Il n'y a pas d'éléments qui laissent à penser que ce puisse être un acte terroriste. Hein. Les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas. Cet individu qui était également, selon nos informations, inconnu des services de police. Il a été placé en garde à vue après avoir été maîtrisé par des agents de sécurité de la gare. La gare de Lyon, elle, continue de vivre au moment où je vous parle dans les halls 1 et 2 avec des milliers de voyageurs qui patientent pour prendre leur train. Mais le hall 3, lui, théâtre de l'agression, est toujours bouclé, protégé par des militaires équipés de fusils d'assaut. Merci Antoine Biavaud depuis la gare de Lyon à Paris ce matin. Alors on vient de le dire, on ignore à cette heure si cette attaque est terroriste. En tout cas, pas de saisie du parquet antiterroriste pour le moment à ce stade. Mais cette attaque intervient après la levée de l'état d'urgence attentat. C'était il y a quelques jours à peine. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Lénaïque Monnier. Vous êtes secrétaire général Alternative Police. Alors évidemment, on va attendre d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que de votre côté, vous avez des informations complémentaires de celles du reporter d'Europe 1 ? Non, pas du tout. Je n'ai pas de précision quant à cette affaire. On est au tout début de l'enquête. Ça s'est produit ce matin à 8h. Donc on est vraiment au début de l'enquête. Donc il faut encore attendre de déterminer quelles sont réellement les motivations de cet individu. Le préfet de police est lui-même très prudent entre potentiellement quelqu'un qui souffre de troubles psychiatriques. Pour le moment, la piste terroriste est écartée, mais elle reste quand même dans le cadre de l'enquête. Donc il faut patienter, on n'a pas d'autre choix. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que je salue la réactivité, le sang-froid et le professionnalisme de cet agent de la SNCF qui a maîtrisé l'individu qui a permis à la police de l'appréhender très rapidement. Et puis une pensée, bien évidemment, vous le comprendrez, aux trois victimes, et notamment celle qui est actuellement entre la vie et la mort. Pour le moment, j'ai pas eu d'informations comme quoi son pronostic ne serait plus engagé. Donc une pensée toute particulière pour ces trois victimes et leurs familles, et espérons-le, leur souhaitant un prompt rétablissement. Et alors, l'auteur présumé, Denis Jacob, a été interpellé tout de suite. Ça veut dire que l'enquête peut aller relativement vite ? Ah bah écoutez, plus vite on interpelle un individu qui a commis un délit ou un crime, mieux c'est pour le déroulé de l'enquête, bien évidemment. Mais permettez-moi de le dire, malheureusement, ce qui s'est produit à la gare de Lyon s'inscrit dans le contexte général que l'on connaît en France depuis quelques années. On a les résultats des statistiques 2023 qui fait état d'une augmentation de 13% des tentatives d'homicide dans notre pays. Et je ne vais pas vous faire toute la liste des augmentations. Il y a un problème d'augmentation de délinquance et de criminalité en France. C'est indéniable. Les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés très récemment le confirment. Et ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global de la réponse pénale, de la réponse sécuritaire. Ce sentiment un peu, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est beaucoup malheureusement, ce sentiment qu'on peut se livrer à tout un tas de délits dans le pays sans qu'une réponse pénale ferme soit au rendez-vous. Et vous le signaliez il y a quelques instants, la levée de l'urgence attentat, ça démontre bien qu'il y a une nécessité qu'il y ait un message fort en matière de sécurité et de réponse pénale, sans bien évidemment attenter aux libertés fondamentales de libre circulation, mais en tous les cas de renforcer ce dispositif de sécurité et surtout d'apporter une réponse
pénale ferme quand on a affaire à ces individus. Et s'il était confirmé pour cet individu qu'il souffre de troubles psychiatriques, ça pose à nouveau le débat de quel contrôle, quel suivi pour des personnes qui ont des troubles psychiatriques, qui sont en liberté et qui régulièrement, malheureusement, l'actualité nous l'a démontré, qui malheureusement s'en prennent physiquement à des personnes au risque même de les tuer. Et justement, Denis Jacob, je rebondis sur ce que vous dites, parce que dans la perspective d'un interrogatoire ou d'un placement en garde à vue, qu'est-ce que ça implique qu'on soupçonne en priorité des troubles psychiatriques dans la procédure? Ça implique qu'il va tout d'abord être vu très rapidement par un ou plusieurs médecins psychiatres, que dans le cadre de la garde à vue, il peut être hospitalisé, gardé en garde à vue, mais en milieu hospitalier, notamment psychiatrique. C'est ce qui va déterminer s'il va faire l'objet directement et rapidement d'une détention provisoire en milieu carcéral ou s'il va faire l'objet d'une détention provisoire en milieu sécurisé psychiatrique. Et alors, on le répète, hein, Denis Jacob, on va rester extrêmement prudent tant que l'enquête n'a pas totalement abouti, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que l'histoire se répète, puisque l'attentat de Bir Hakeim, c'était il y a exactement 2 mois. Oui, tout à fait. On ne peut rien occulter à ce stade. Ça fait écho, on imagine, dans l'esprit des Français, dans l'esprit des forces de l'ordre également. Ça peut arriver partout, tout le temps, à n'importe quel moment. Ça fait surtout penser qu'on peut se livrer effectivement très facilement à ce genre d'actes d'individus isolés. Moi, je ne vais pas dire qu'il s'agit d'un attentat, je n'ai pas les éléments pour le faire. Le préfet de police est lui-même très prudent, donc permettez-moi de ne pas aller sur le terrain pur du terrorisme. Non, ce qui inquiète la population française, c'est qu'il y a ce véritable sentiment d'insécurité du fait de l'augmentation des violences sous toutes ses formes, les coups et blessures, les agressions sexuelles, les tentatives d'homicide, tout est en augmentation dans notre pays et il faut qu'il y ait un sursaut bien évidemment des pouvoirs publics, des élus, de l'ensemble des parlementaires pour savoir comment on peut adapter la loi pour apporter une réponse pénale particulièrement ferme pour que ce type d'individu ne soit pas demain encore dehors. Et qu'on n'ait pas la peur aussi de ne pas pouvoir assurer la sécurité et des Français et des touristes au moment des Jeux Olympiques qui, on l'a dit, arrivent désormais à vitesse grand V. Merci beaucoup Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, de nous avoir apporté votre éclairage sur les événements de la matinée.